Tant bien, non, non, attends. Mais monsieur, monsieur, monsieur. Exécuteur. Monsieur, ouais. Exécuteur. Oh, on s'en fout. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? C'est peut-être la police, c'est peut-être la police, donc faut pas faire. Je tiens à dire que j'ai un GPS. J'imagine. Est-ce que je pourrais parler, s'il te plaît? Ça c'est le. Attends. Attends. Ah non, 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 reste tranquille. Bon, alors du coup je disais. Ta gueule. Je dis. Tu fais quoi là, respect. Mais mec, j'ai jamais. Ta bouche, je suis ton chef. Oh, c'est bon, fermez là. Nicolas, on va dire quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Toi, fais pas le spécial là. Par contre, je tiens. Est-ce que tu peux. Vas-y, on s'éloigne parce que sinon on peut les oreilles là. Ouais. Ok, t'es pas mon chef. Je suis ton chef, ta gueule. Alors, j'ai mis un GPS sur le truc, le et puis apparemment, ça nous amène directement. Le général, il m'a nommé chef. Vers la zone 52. Bah si, je suis ton chef. 52. 54. Non, la zone 52, ça nous amène directement vers la zone 52. Attends. Tu vois, parce que j'avais vu direct le symbole. À ce qui paraît, le symbole, c'était bien dans la zone 52. C'est écrit zone 52. Donc, à ce qui paraît, je crois qu'il a accompagné dans la zone 52. Mais la zone 54. Non, le bouclier vient de la zone 54. De là où je viens. Ouais, je sais, mais en fait, tu vois, en fait, je parle du type qui a volé. Mais taisez-vous là. S'il vous plaît. Attendez, vous avez la voix d'un scientifique dans la zone 52. Non, 54. Je suis désolé de vous. 54, pas 52. Bon, les gars, vous pouvez baisser d'attention, s'il vous plaît. On parle en privé. Ouais, 54. Excusez-moi, est-ce que tu pourrais arrêter de parler, s'il te plaît? Vous parlez vite fait, vous là. Vous avez la voix d'un scientifique dans la zone 54 et. J'étais militaire là-bas. Avec mon collègue. Quel grade? Commandant. Il n'y avait pas de commandant là-bas. À part si tu travailles à l'extérieur. Ici le commandant de la zone 54, vous êtes où? Vous avez été des scientifiques, tout ça. Vous êtes où, bordel? Est-ce que vous voyez la SCP formation? C'est exactement la même chose là-bas. Sinon, vous avez le truc, sinon. Ouais, mais juste arrête de prendre mon chef. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Chut, s'il vous plaît. Chef, écoutez, lui il fait trop son chef là, alors que vous m'avez nommé commandant de la mission, il fait trop son chef, juste comme ça. Alors toi, écoute-moi bien, l'autre. L'autre, t'arrêtes de faire ton amas là. Et écoute-moi bien, je vais te faire rappeler le truc que tu t'as ramené. N'oublie pas, au cas où c'est un Nikon qui s'est échappé, au cas où je te rappelle. Ok, déjà moi je m'appelle Gopal. Donc, toi la ferme, laisse-moi. Donc je veux que vous le ramenez vivant. Si vous le retrouvez, ramenez-le dans la zone 54. On va essayer de faire des expériences. Comme je l'ai dit, parce que l'autre Nikon, Jonah, on l'a bien tué. Il a laissé fuir l'autre Nikon. Donc il est toujours quelque part dans la nature. Donc attrapez-le. Je coupe. Ok, juste d'abord. Ok, désolé. C'est vous le chef de la zone 54? Attends, je peux pas aller en privé avec mon ami Nikon. Désolé. J'étais scientifique là, papa, directeur. Directeur, c'est Victor. Vous êtes en état d'arrestation. Attendez, mais laissez-moi parler. Je peux parler vite fait en privé. Vous partez, votre ami est en état d'arrestation. Non, hors de question. Est-ce que je peux dire vite fait un truc important à l'écran avant que vous l'emmenez? Viens vite fait, quand on va. En fait, monsieur, on va pas l'emmener, laissez tomber. Attends, écoutez-moi, s'il vous plaît. Attendez, la zone 54. La zone 54 est hors d'état de fonctionnement depuis longtemps. Ok, je vais vous donner ma radio, vous allez parler à mon chef. Moi je suis plus avec monsieur, mais attends, écoutez-moi s'il vous plaît. La zone 54 est hors de l'appareil. C'est qui veut parler? C'est qui parle? Oh, vas-y, je décroche le micro. T'as eu Non, attends. N'y pense même pas, Nikon. Tu te souviens de moi? C'est moi, toujours le commandant. Alors, tu te souviens qu'on s'est rencontré un peu dans le néant, hein? C'est moi. Tu me reconnais sûrement. Oh non, moi je te reconnais pas, vas-y ta gueule. Vas-y, je raccroche. Vous deux, attrapez-le. Mettez-le maintenant. On ne le rattrape pas. À partir de maintenant, on n'écoute plus vos ordres.
Vous êtes sûr? Je suis désolé de vous dire, mais voilà, je vous ai caché quelque chose. La radio. J'ai, en fait, voilà, vous avez des autres radios sur vous. Ok, attendez, je vais essayer à fonctionner vite fait la radio. Attendez. Ah bon, ok. J'étais en train de dire que en gros, vous voyez, vous deux vœux que vous voulez me trahir. Et ben, il y a très longtemps que vous, on voulait vous faire, disons, une prise de sang. Et ben là, c'était pas tout à fait une prise de sang. Vous savez, c'était quoi en vrai? Non. Quoi? Je vous ai mis une puce. Je vous ai mis une puce. Et si vous allez nous trahir, et ben votre tête va exploser. Regardez. Et là, il y a déjà une lumière rouge à l'intérieur de votre corps. Regardez. Donc, attrapez ce licorne ou vous allez exploser. Licorne, suis-moi. C'est bon, arrête, je sais comment enlever ta puce. Oh, j'ai enlevé ma puce, regarde, je vous fais enlever mon bras. Oh putain, j'ai mal. Vas-y, enlève. Non, arrêtez, ne faites pas ça. Tu peux la faire, c'est bon. Bon, écoute-moi bien, je sais pas pourquoi tu veux l'icône, mais t'as dit non, néon, donc je reconnais. C'est pas toi, scientifique. Attends, je pète la radio. Hein. C'est pas moi, le scientifique. Voilà. Licon, calme-toi. Licon, calme-toi. Si vous voulez, on peut faire ça autrement. Si vous voulez, on peut faire ça autrement. Tenez, on a rien marre, en fait. Les deux viennent de la zone, ça peut être. Ah ouais, bah, ça prouve que j'étais là-bas. Attends, j'ai coupé ça. Toi, là. C'était pas le mec qui s'est fait affecté par le fantôme des glaces, et c'est pour ça que t'es comme ça dans la zone 54. Ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est que je pourquoi. Et moi avant j'étais pas comme ça avant. Il y a malheureusement une tempête de neige, j'ai été emporté, voilà. Moi quand j'étais avec lui avant, j'étais pas comme ça, ma forme. Les gars, je peux parler vite fait avec Lican. Bon, Lican, écoute Lican. En fait, c'était écrit à zone 52 sur le mec qui avait volé le bouclier. C'était écrit à zone 52. Bien, on va voir les appartements. Donc ça veut dire qu'il y a une zone 52. Donc ça existe encore. 52, c'est la dernière zone. Mais il y a une zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Blablabla. Ah ouais, mais la zone 54, c'est la zone la plus importante qu'on doit savoir. Parce que ça, c'est. La zone 54, il cache beaucoup de secrets. Mais la zone 52, ça cache des milliers de secrets. Hein. C'est quoi là-bas? Il va pas. Qu'est-ce que tu fais? Bon, écoute, tu sais pas où la zone 52, sinon. Wesh! En gros, ouais, parce que j'ai mis une tique en fait sur le. On rentre pas dedans, on sait jamais. Par contre, arrêtez les mecs! J'ai mis une tique sur le bouclier, du coup, je sais où ça se trouve. Par contre, le problème, c'est que le premier qui le touche, il se transforme genre en mec ultra balèze, ultra. Voilà. Comment tu fais pour sortir? Déjà, si le mec est fort, et puis en plus, il a après le pouvoir de. De moi, voilà. Ça va partir quoi. Genre, ça fait fois 20, t'auras ton pouvoir, tu vois. Même fois 40. Ouais, oh, mec, attends, je vais je crois que je vais plutôt aller dans le restaurant de pizza pour manger un petit peu. Attends, viens, j'ai un truc important. Attends, il est où l'autre? Vas-y, moi je suis là, il est là-bas. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais en fait, tu peux couper le rec, s'il te plaît? Ouais, c'est genre. Là, ma tête. Ouh là là, la pizza. Oh, il est délicieux. Ouais, c'était quoi ce grand cri? Je prends emporter la pizza. Bonjour. Non, je vais encore manger juste un petit goût de pizza et puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Vas-y, donne-moi une pizza là, s'il te plaît. C'est la chose que j'ai bu pour éviter de me faire mec, tu es quand t'es en train de braquer. Bon bref, on va aller voir c'est quoi le cri. Mec, par contre, évite de voler, mec, tu te casses la gueule, arrête, tu vas crever. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, regarde, l'exécuteur. Hein? Regardez en haut de vous. What? De quoi? Qu'est-ce que tu fais? Par contre, mec, tu peux pas faire ça longtemps, mec, tu as crevé si tu fais ça trop longtemps. T'es habitué à ça, mec, tu as crevé. Tu voles? Oui, bah, en fait, le problème, en fait, c'est que si tu fais ça trop longtemps, il va crever. En fait, je t'explique, il s'est fait posséder par l'esprit des glaces. Et puis, il a réussi à prendre le contrôle, tu vois. Et du coup, il a tous ses pouvoirs, mais le problème, c'est que vu qu'il a pris le contrôle de l'esprit des glaces, il perd beaucoup de son pouvoir. Attendez, je vais essayer de lui faire quelque chose.
De base, il peut voler en fait, mais. Faire quoi? Bec, c'est vraiment qui a eu de la neige tout. Tu peux faire ça avec des gens qui ont pas beaucoup de. Regardez ce que je peux faire! Ça va pas tenir longtemps quand même, non? Je m'entraîne, donc que je voudrais découvrir. Alors, du coup, attends, je vais t'expliquer tout ce que tu peux faire. Alors, tu peux voler, mais seulement pas beaucoup. Tu peux aussi contrôler les gens qui ont beaucoup d'intelligence, genre les gens qui ont les âmes faibles. Comme toi. Par exemple, l'autre con là. C'est un peu trop nul, genre qui peut pas trop voler. Mais c'est la vérité. Bah, toi, je sais pas, toi, je te connais pas, t'es pas un SCP, moi, je. Wow. Dis con, viens vite fait, je vais te parler en privé. Attends, ça tire pas là, je peux te contrôler, toi? Attends, je suis en train de contrôler lui. Et vous pouvez parler doucement, s'il vous plaît. Ok, désolé. Bon, écoute, tu sais qu'on fait de gros à propos du scientifique. Est-ce que c'est pas lui qui dirige la zone 54? Non, c'est pas lui. Attends, il est où? C'est lui. Tu te souviens pas? À ce qui paraît que tu m'avais raconté. En fait, le scientifique est pas con. Il ne serait pas possédé par un esprit dégueulasse. Non, mais non. J'ai réussi à grimper. Je te parle celui qui dirige. Ah oui, bien sûr, c'est le scientifique. Par contre, mec, lâche ses cartes. Mais arrêtez! Mais vous allez détruire! Je me suis fait contrôler par quoi? Je sais pas quoi là. Attendez, c'est qui a mis du C4 à un moment de faire Je sais pas. Attends, je suis Ah, j'ai grimpé. Le gars qui a mis du C4. C'est Imanel. Par contre, mec, du coup, je t'explique. Tu m'entends? Ouais. Non, pas toi, l'autre Zgeg là. Je grimpe. Du coup, mec, je t'explique un truc. Alors là, là, t'as beaucoup d'énergie, tu vois. Là, t'as beaucoup d'énergie, tu te sens, tu peux tout faire. Mais, mec, au bout d'un moment, tu vas t'affaiblir. Et dès que tu es dans un endroit qui est enneigé, glacé, tout ça, tu reprends plein de pouvoir. C'est Imanel. Non, attends, je comme ça. Et ouais. Du coup, tu comprends c'est bon ou quoi? C'est un mec qui s'appelle Ayman Lev, c'est normal. Oui, parce qu'en fait, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom. Bon, le plus important, c'est qu'il a pas tout détruit. Bon, oh là là. Mais ça fait partie de mon arme, j'aime bien l'utiliser celle-là. Et pas du tout. Bah, mec, dans les bâtiments, t'es sérieux? Mec, tu sais, c'est bon. Si j'ai envie, je leur paye tout ça. Par contre, t'es où? Je te fais comment en fait? Je t'appelle comment toi? Tu gagnes 200 euros par mois, tu parles. Ouais, mais je travaille depuis longtemps. Je viens de réparer l'intérieur. Je t'appelle comment l'autre quoi là? Qui moi? Ouais, toi. Attends, je vais jouer un jeu. Ouais, tu sais que je t'appelle Frost, c'est bon. Viens, je t'appelle Frost, c'est bon. Tu vois, moi et lui là. On est pas. Les gars, y a un truc pas normal là. Là, tout à coup, j'ai froid, tout à coup, c'est normal. Vas-y, finis ce que t'as à dire là. Non, j'ai vraiment froid. Mais c'est normal, il est à côté de toi, mec. Tu crois vraiment, mec? Mais non, c'est pas ça. Plus ou moins, mais mec, il faut que tu sois dans un environnement où il y a de la glace. Tu sois dans un environnement où tu peux voler, mais tu vas te vider. Tu peux partir s'il te plaît, exécuteur. Tu vois, moi, Ayman Elf là. Arrête de m'appeler avec mon fond. Ok, bah écoute, en vrai, exécuteur et Zikan. En vrai, on n'est pas vraiment genre des vrais humains, on a été créés. On a été créés pour protéger la zone 54. Mais je sais pas. Non, en fait, j'étais mort, mais en fait, voilà. On est des clones si vous préférez. Je sais, c'est le projet Death Machine, je connais pas. Je crois que... Attendez, tout à l'heure là-bas, je suis parti voir un truc, c'est bizarre là-bas. Venez avec moi, je crois ouais, pas que bien, c'est vu qu'il est possédé, il peut plus passer de Les gars, tout le temps, je vais me reposer. Je vais me reposer. Ça veut dire que je peux faire partie de votre équipe? Alors moi ça va, parce que je sais que le l'esprit des neiges, il est vachement fort et tu me sembles assez. Après, mec, juste pour ça, tu peux pas voler longtemps. Quoi? T'inquiète, tiens, bois ça. Ouf. Ça va mieux. Attends, ça va un peu mieux. Je grimpe. Tu peux faire partie de votre équipe? Moi aussi, est-ce que je peux faire partie de votre équipe? Toi, ça va pas trop parce que t'as pas de pouvoir.
Je pourrais en avoir, hein, si je me mais concentre. Tu peux pas en avoir, putain.